مع الكوت سهير مدرب رياضي مختص في التغذيه اهلا بك وصباح الخير سيدي صباح النور وشكرا على مرحبا اذا شباب يخاطر بحياته من اجل النحافه الكل يعرف بانه للنحافه ربما طريقه في رياضه وطريقه يتبعها في الحميه الغذائيه ايضا. شباب يخاطر بحياته عندما تصبح العنايه بالجسم مضره له حتى انه تصبح عنده امراض مستعصيه وتشوهات في جسمه. ربما اليوم لو تحدثنا عن الاخطاء التي يقع فيها هؤلاء الشباب سواء كانوا رجال ام نساء في اتباع حميتهم. المشكلة المشكل دائما يطرح في الان يطرح في, 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 في القاعات يطرح في في الشارع المشكل المشكل المجتمع لو كان نطرح السؤال على الانسان هذا اللي يدير لاساج تاعو في بيريود دو ما نعرفوش لا بيريود يا نورمال كان دي بيريود بيو ديتيرميني بور ايفيكتوي سو جور دو دو بور ايفيكتوي دي ساش مي سي دي ساج كي سون فيت جوست انارشيكمون كي تقول له علاش راك دير لاساج يقول لك بور افوار دي ميسكل ساك ان كور ساك سي بور ديغاجي لا غريس بصح ولا لا كيسيون كو بوز بلي سوفون انا مو دوموند الشيخ ولا ماذا بك تعطينا ان بروغرام تاع لا ميسكولاسيون ان بروغرام تاع لا سلاش حبيت ندير ان كورس فيلت بصح كي دير الكورس فيلت تاعك واش دير به بروميير كيسيون كون سو بوز يجي ان بروفيسيونيل كان ان كومبيتيتور يجي لا بيريو تاعو لا كومبيتيسيون يدير لا ساش تاعو باين عنده عنده هدف يعني عنده هدف بصح الهدف تاع ان جون يتبع شاف كومبيتيسيون شاف فلان

c'est un problème qui se pose, psychologiquement le problème se pose, pour arriver justement, pour donner les conséquences à une sèche. D'abord, quand on prend une décision de faire une sèche, il faut avoir une motivation, il faut voir un objectif. Quand on a un superflu, une dégraisse un peu trop, on peut s'en débarrasser, mais sans passer par la sèche. Il faut s'entraîner régulièrement. On prend une régularité, on fait la musculation, on doit soigner son hygiène. alimentaire, son hygiène de vie, et on pratique un programme qui correspond exactement au, 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 à la personne qui désire dégager le superflu de graisse. Mm -hmm. Donc, le carton un programme qui avec. Mm -hmm. Ces gens-là pensent qu'un programme de sèche ou un programme quelconque, que ce soit de définition ou euh, un programme pour, pour développer un certain muscle du corps, c'est un programme volant. Non, mais là, il y a une erreur. Mm -hmm. Quelqu'un que, que qui est bien encadré. Mm -hmm. D'abord, avant de passer par une sèche, il y a des étapes à respecter. Mm -hmm. quand le, de le bonhomme, on parle du principe la sèche, il veut la faire parce qu'il a un dos des bourrelets. Mm -hmm. D'accord Ça, C'est ça, ça, un objectif. Mm -hmm. Il veut se débarrasser de cette, de, de cette graisse superflue. Mm -hmm. C'est vrai, quand on a surtout la, la graisse abdominale, elle cause, ça, on le sait qu'elle cause des problèmes. Se, se, se concentrer. Mm -hmm. Elle peut développer des maladies chroniques, telles que le diabète, telles que l'hypertension mm -hmm. et, et, et bien d'autres. T'as donné un programme. Mais avant de donner ce programme, que ce soit en nutrition ou que ce soit un programme pour la, 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 la sèche, c'est-à-dire dégager ce superflu de, 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 de graisse, il faut passer par un médecin. Mm -hmm. حنا نقول با سكريت ديكريتومون ولا علاش تشوفي فولونتوي في سا انت تشوفي سا طيب زهير زهير ربما تحدثوا على الحميه القاسيه ستريكت يعني طيب. بالنسبه للنساء دراسه قاموا بها الاخصائيين وقالوا بان ستظهر تجاعيد لا عند في جلد المراه هذا الشيء معروف طيب. وعدم الخصوبه بالنسبه لها وتساقط الشعر لانه الحميه القاسيه هي انعدام الاكل شبه تام et le Mais c'est normal parce qu'il y a un problème de désorganisation totale du corps. On désorganise le corps, ça veut dire qu'en fait, on renverse le métabolisme du corps humain. Quand on renverse le corps, le corps est habitué à recevoir un certain nombre de calories par jour. que ce soit femme quand je parle, moi je parle et femmes. Il y a même des femmes qui cherchent à faire de la sèche dans des périodes déterminées une femme, par exemple, qui est à 70 kilos, elle veut diminuer de, 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 de 10 kilos pour arriver à 6, à 60 kilos. C'est légitime. C'est tout à fait normal. Les boules, les laisse ça crée des maladies et tout. Ça met un problème de l'année dernière. On ne peut pas directement dire oui, vous voulez voir le programme, vous allez vous entraîner, vous allez vous abstenir de manger ça, ça et ça et ça. On peut, même un médecin à l'œil nu ne peut pas prendre une telle décision. Il va demander des analyses. Mm. On fait des analyses là on est sur une bonne, une bonne voie mais il y a des gens qui font des, 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 des sèches euh, extrêmes qui m'ont temps. Mmh. allons jusqu'à l'encontre de, de, de démolir mmh. le, le, le corps la perte, de, la perte de cheveux, c'est parce qu'on a renversé le métabolisme, mm -hmm. le problème hormonal se pose, mm -hmm. et surtout pour les femmes si cette femme, par exemple pour le cas d'une femme si par exemple elle est en train d'allaiter ou elle vient d'avoir, de, 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 de faire un accouchement mm -hmm. là le problème il devient de, de, de plus en plus parce qu'elle dégage trop d'œstrogènes de, de, de et l'oestrogène avec un manque il y a un déséquilibre qui peut aller jusqu'à la dépression mm -hmm. parce que quand on fait quand on, quand on, fait un, on, on met en place un régime strict mm -hmm. euh, on, 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 on tombe malade mm -hmm. on devient nerveux il a, on devient irritable, on s'énerve facilement, on s'emporte facilement, on a un problème de rétention d'eau, mm -hmm. on a un problème qui se pose au niveau des reins, mm -hmm. on a des palpitations, tachycardie euh, et, et bien d'autres, on, on a des maux de tête terribles, on a des vomissements. Mm -hmm. On peut arriver jusqu'à l'évanouissement. Mm -hmm. Et là, justement, on est rentré dans une phase. Si la sonnette d'alarme n'est pas tirée, là, ça devient un danger. Mm -hmm. C'est à partir de là où on commence à développer des maladies chroniques. Tant mmh. que le diabète, l'hypertension, le, le, le mmh. euh, problème cardiovasculaire, etc. Je peux juste un petit détail, s'il vous, vous... Ça... la choléra, c'est virale. cest à moi, je, ce que je plains, et je, je, je suis un peu étonné de constater qu'il y a des gens qui, non seulement ils se privent de manger, ils vont vers des compléments alimentaires qui sont des brûleurs de graisse. Mmh. Alors, imaginez un instant, mmh. on est en point, plein mois de juillet ou plein d'août, mmh. ou, ou, ou le mois d'août, mmh. une chaleur est, 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 est immense. Le corps est, 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 est géré à 37 38 degrés. Alors imaginez quelqu'un va prendre ses brûleurs de graisse il va créer une thermogénèse. La thermogénèse, elle va enflammer.

Mmh. D'abord, la femme, elle, la, la femme elle, se donne, elle est plus active par rapport à l'homme. Mmh. Elle est doublement. Alors imaginez une femme, comme je prends l'exemple d'une femme qui, qui est en train d'allaiter ou là, qui a accouché, mmh. qui travaille donc, à l'extérieur et à l'intérieur chez elle. Donc c'est des dépenses énormes de, de, de calories par jour. Il faut mmh. combler ces pertes de calories. Mmh. Mais est-ce que réellement, quand elle pense à faire une sèche, est-ce qu'automatiquement, elle va combler ces déficits Les mmh. déficits, il y a actuellement des magasins qui ouvrent un peu partout. Moi, je suis pas contre. Mm -hmm. Je suis pas contre. Ça, c'est l'État a mis en place cette stratégie. C'est pour exactement canaliser d'où viennent ces produits, etc. C'est un, un point. C'est pour pouvoir contrôler. Mm -hmm. Mais la, la femme, quand elle tombe dans ce panneau, parce que la plupart des femmes euh, euh, aiment bien avoir une définition mm -hmm. euh, corporelle, ça c'est légitime. Mm -hmm. Mais aller au-delà de cet homme, je pense qu'il y, y a un danger. Mm -hmm. Il y a un danger. Surtout, surtout le problème est problème au niveau de la peau. Il y a une peau qui se dilate. La dilatation de la peau. Mm -hmm. La peau, parce que pourquoi Parce que le corps a, 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 le, le corps a, a, a commencé à gérer une situation par rapport à 60-70 kg. Mm -hmm. Et subitement, on le prive de nourriture, de micronutriments, de mm -hmm. macronutriments. Mm -hmm. euh, on, va, on va déséquilibrer un peu les GLP, mm -hmm. tout ce qui est euh, protéines, tout ce qui est lipides, et tout ce qui est... Euh, Glycides. Mm -hmm. Ce sont les trois éléments qui sont nécessaires pour le corps. Parce que mm -hmm. Notre métabolisme a besoin de ça jour, par, par jour. Yeah. Prenons le cas d'une dame, par exemple, qui a à 70 kg, elle a besoin pour qu'elle soit active, qu'elle travaille chez elle, à l'extérieur, mm -hmm. etc. Je ne souhaitais que du bonheur à ces femmes-là. Yeah. C'est légitime de faire de, 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 du sport, mais il y a une limite à ne pas franchir. C'est vrai que certains médecins recommandent, quand il y a un problème de santé qui se pose, mm -hmm. un problème de trigly la triglycémie, mm -hmm. un problème de. De cholestérol, mmh. un problème de palpitation ou un problème d'hypertension ou de tension artérielle. Bon, C'est légitime. Bon, Quand ils voient un dossier médical, après les analyses, tout est bon. Ils recommande de faire du sport. Mmh. Mais tous les médecins, non, moi j'en rencontre tous les jours, j'en conçois ces bilal. Non. je rencontre tous les jours des, des médecins, mmh. bon, il faut aller doucement. Parce que quelqu'un qui veut, qui, qui veut vraiment Mais avoir... il vaut mieux. Moi, je pense qu'il faut éviter parce que je vais aller vers vers, vers des, des produits dopants parce que moi je trouve que les les brûlures de graisse sont des produits dopants. Mais en plus, ce sont des gens qui sont des produits qui qui, 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 qui donnent au, au, des résultats qu'à 5%. سيزوهير ربما أفضل نصيحة هي توجه للطبيب من أجل اتباع حمية جيدة وحتى توجه المختصين في الحمية الغذائية وأيضا المدربين شكرا جزيلا لك سيزو كل كنت في شكرا. اليوم شكرا, شكرا جزيلا لك.